Dans nos sociétés actuelles, nous ne cessons de courir. Nous, les nomades modernes de la jungle urbaine. Nous sommes toujours pressés. Il semble que plus nous nous déplaçons vite, moins nous avons du temps. Et par extension, nous nous déconnectons de plus en plus de la nature. Sommes-nous devenus une espèce insensée? Jusqu'où devrons-nous remonter le temps pour nous reconnecter, retrouver notre profonde interaction initiale, notre place avec la nature sauvage? Dans le sud-est de la France, la longue vallée du Rhône est connue mondialement pour ses vignobles à flanc de coteau qui surplombent le grand fleuve magistral. Le Rhône prend sa source en Suisse et coule vers le sud sur des centaines de kilomètres avant de se jeter dans la Méditerranée. Les paysages de cette vallée dévoilent à l'est les Alpes et à l'ouest les falaises abruptes en calcaire du Massif central. Bien avant notre course effrénée, le corridor de cette belle vallée était autrefois une vaste étendue sauvage. Bien avant les tout premiers paysans de nos sociétés, et encore bien au-delà, sur des dizaines de milliers d'années, vers un temps que nous appelons la période du Paléolithique, cette vallée et ses territoires adjacents ont été les terres de prédilection de quelques groupes de nomades. Et les traces des tout premiers peuples du Paléolithique se trouvent dans le sud. Oui, allô. On est en train de descendre, la Vendée. Ici, en Ardèche, les forêts de chênes verts cachent le site d'Orniac III, une ancienne grotte qui était autrefois un refuge pour un groupe énigmatique d'humains. Il y a des milliers d'années, cette grotte s'est effondrée sur elle-même, ce qui a permis ainsi de préserver les très nombreuses couches qui témoignent des séjours de ces humains, ici même. Dans cette mine archéologique, les chercheurs ont découvert beaucoup de restes fossiles, et une très grande quantité d'outils en pierre. Dans les niveaux inférieurs, la présence de ces galets aménagés, elle est... Cette bifasse, il est quand même magnifique. L'outil principal utilisé par ces peuples était le bifasse, doté de lames tranchantes remarquablement symétriques. Les spécialistes sont étonnés de constater que le façonnage répétitif de ces outils a perduré pendant des centaines de milliers d'années, sans vraiment évoluer. De nombreux bifaces de ce genre ont été retrouvés en effet sur le site d'Orniac III. Mais qui étaient au juste ces anciens artisans cherchant refuge dans la grotte d'Orniac? Les débats concernant ces origines sont toujours d'actualité. Quel que soit leur nom, ils étaient sans doute les lointains ancêtres des Néandertaliens. Nous pouvons les appeler les pré-Néandertaliens. Au sud-ouest d'Orniac III, à Totavel, non loin de l'Espagne, une grotte nous dévoile le vrai visage de ces groupes d'humains. Certains niveaux archéologiques, ici, possèdent une chronologie similaire au site d'Orniac III en Ardèche. On est à quasiment 335-340 000 ans. Donc en fait, toutes les caractéristiques du bifasse, hein, c'est des bords convergents, mais avec juste la particularité typique d'Orniac, avec des plats conservés qui assurent une très bonne ergonomie. Et en même temps, une fois de plus,
cette espèce de système mis en place avec une alternance des côtés prensiles et des côtés actifs. Donc on voit bien que finalement, la pièce a dû être utilisée alternativement utiliser les bords tranchants droits en utilisant les bords tranchants gauche comme étant les prensiles et vice-versa. Donc en fait, une exploitation totalement opportuniste et totalement intelligente. Et ces peuples opportunistes et intelligents avaient déjà, pendant ces périodes lointaines, domestiqué le feu. Cette domestication du feu ne pourrait-elle pas être considérée comme les premiers prémices humains d'une déconnexion avec la nature sauvage? Lorsque ces pré-néandertaliens sont venus dans leur grotte, ils allumaient des feux. La fumée dégagée par ces feux a laissé des couches de suie sur les concrétions du plafond de la grotte, les recouvrant d'un dépôt noir épais. L'accumulation de suie s'arrête avec l'abandon de l'abri, et le processus naturel d'accumulation de calcite blanc recouvrait alors les dépôts de suie sur les concrétions. Puis plus tard, quand des groupes réintégraient la grotte, leur feu ajoutait de nouveau une couche de suie au plafond. Celle-ci recouvrait alors l'accumulation de calcite blanc. Ainsi, sur des dizaines de milliers d'années d'exploitation de ce site, ce processus s'est répété à maintes reprises, jusqu'à former une sorte de code-barre de suie et de calcite qui démontre la maîtrise répétitive du feu avec une rythmicité temporelle constante. Là, il n'y a rien. C'est là, il y a la suie. Et là, c'est quand on coupe et c'est là qu'on observe. Avec l'analyse scientifique de ces accumulations de suie, nous pouvons en déduire la rythmicité d'occupation paléolithique. Donc on a une maîtrise du feu à Orniac 3, et ça c'est intéressant parce que si le feu est maîtrisé, ça veut dire que les traces de suie peuvent être utilisées comme moyen d'étudier les dynamiques d'occupation sur le site. Donc on a une résolution annuelle et donc on va vraiment pouvoir s'intéresser aux dynamiques d'occupation et aux rythmes d'occupation dans la grotte à partir de ces traces de suie qui sont des marques des occupations, qui sont des traces qui marquent les occupations humaines sur le site. Cette étude originale d'accumulation de suie fossile nous montre une occupation répétitive et saisonnière à Orniac 3, qui confirme que ces peuples étaient bel et bien nomades. Très lentement, des climats tempérés et des âges de glace alternent à travers le paysage du Rhône, pendant des centaines de milliers d'années dans le monde sauvage paléolithique. Mais que veut dire monde sauvage? Ces nomades, opportunistes et écologiquement intelligents, ont été eux-mêmes une partie fonctionnelle et interactive du sauvage. Mais ces premiers peuples avaient-ils la capacité de s'émerveiller devant la complexité de ce monde-là? Avaient-ils une notion du passage du temps? Ou bien étaient-ils de simples voyageurs errants et ignorants, des mauvais sauvages, loin de notre monde civil d'aujourd'hui? Où en sommes-nous dans nos questionnements vers une compréhension de nous-mêmes et des origines de notre parcours évolutif? À partir de périodes qui concerne les prédécesseurs ou les tout premiers néandertaliens, c'est-à-dire il y a quelque chose comme 300-400 000 ans, on a des humanités qui sont
en pleine possession d'abord de moyens de transformation du monde et de s'autonomiser à l'intérieur pour être autosuffisant, pour vivre autrement dit en relative autarcie, tout en étant prédateur et un petit peu cueilleur, mais ne possède pas encore cette capacité d'exprimer des symboles, les inscrire dans la matière, bref, figurer quelque chose. On est bien avant, mais il y a déjà une intention et un partage, et des groupes qui se réunissent en partageant des comportements très simples quelquefois, qui humanisent le monde. Et il est probable que toutes les grottes, les sites habitables, les falaises accueillantes de ce pays de la vallée du Rhône étaient connues et ont été connues de presque toutes les humanités qui s'y sont succédées, qui s'y sont retrouvées, et malgré une démographie d'un niveau et d'un taux très bas, les humains se rencontraient groupe par groupe. Donc dans tout ça, il faut mettre la lenteur de l'évolution naturelle des phénomènes géologiques et des phénomènes d'évolution biologique dans les mêmes espaces. Tout cela était très lent. Aujourd'hui, on le voit de manière compacte, je le rappelle en quelques mots, mais attention, c'est vraiment pas la réalité. Ils ne voyaient peut-être rien changer. La tradition et la stabilité devait être chez ces populations en équilibre fragile avec l'environnement, leur règle. Maintenir la tradition, maintenir la force du groupe, maintenir son savoir-faire et ne pas se mettre en déséquilibre. Nous avançons dans le temps. Et les sites archéologiques de la vallée paléolithique sont de plus en plus nombreux. Nous partons vers l'est. Ici, dans les gorges de Louvèze, se trouve un ensemble extraordinaire de grottes. C'est dans ces gorges que nous rentrons dans le monde d'autres nomades, des Néandertaliens. Il y a près de 120 000 ans, des chasseurs-cueilleurs néandertaliens ont marché là. Voilà le grand Adriopus. Waouh! On est monté de 12 mètres, et 12 mètres c'est rempli de sédiments. On voit qu'il y a de très grands blocs qui sont tombés par-dessus, qui faisaient en fait des couloirs d'accès. C'est certainement ici l'un des couloirs d'accès depuis l'extérieur pour les hyènes et pour les hommes, et ils descendaient comme ça. Et là, après, c'est redéposé un bouchon d'argile qui scelle littéralement le site. Donc on a toujours des silex, on a toujours des faunes dedans, on est toujours dans de la préhistoire ancienne, toujours dans des installations néandertaliennes, mais c'est le moment où le site est fermé et clôturé, et donc où ces installations profondes sur 12 mètres d'épaisseur sont scellées et vont rester scellées jusqu'à l'intervention des équipes archéologiques qu'on a dirigées ici. Le Grand Abriopus était une ligne de falaises dans les gorges de Louvèze, et cette ligne de falaises, ces hautes, très hautes falaises, se sont effondrées. C'est des calcaires relativement tendres et se sont effondrées il y a très longtemps, avant l'arrivée des hommes, il y a plus de 100 000 ans. Et ça a fait une accumulation, un chaos de très grands blocs, de blocs de 15 mètres, de 20 mètres. Et cet énorme chaos de blocs, il y avait des petits passages, des petites entrées, et les carnivores, les lions des cavernes, les hyènes sont allés dans ces dédales souterrains, mais aussi les hommes. Et par moments, on sait que les hommes ont pu suivre les hyènes et aller dans leurs tanières, dans des milieux complètement fermés, souterrains, sans lumière, et ont certainement
chassaient directement des hyènes dans leur tanière. On a retrouvé de très rares silex dans ces niveaux à hyènes, mais c'était des pointes avec des impacts qui montraient que c'était des armes. Donc ils étaient allés chercher les animaux en fond du dédale souterrain. Bien souvent, nous considérons le paléolithique comme une seule immense période glaciaire. En réalité, des épisodes tempérés venaient ponctuer ces âges de glace. Et c'était le cas il y a près de 120 000 ans. C'est en effet à cette période que l'évolution progressive d'une météo plus clémente a permis le développement d'une immense forêt sur l'Europe. Il est évident que ces sociétés avaient une maîtrise totale de leurs environnements, qui connaissaient parfaitement les comportements animaux, qui savaient parfaitement comment s'approcher des grands cerfs et comment aller au contact avec les grands cerfs ou avec les grands carnivores. Donc c'est des techniques qui demandent une connaissance du milieu naturel qui est totale, qui est absolue. C'est pratiquement des populations qui peuvent parler aux animaux, parce qu'ils savent exactement qu'en faisant tel geste ou en s'approchant de telle manière, ils savent quelle va être la réaction de l'animal. Donc ils savent s'ils veulent récupérer un animal, un grand loup mâle, ils savent comment faire. S'ils veulent une vieille ours, ils savent comment faire. S'ils veulent un cerf puissant pendant le brame, ils savent comment l'attraper. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Donc, on n'est pas du tout au niveau de ces populations qui ont un instinct naturel, un instinct total de leur environnement. Ce que nous voyons d'abord, on est dans une nature extrêmement dégradée, ou alors il faut aller dans la Grande Sibérie ou dans le Grand Nord canadien, on va se retrouver face à des milieux naturels qui nous dépassent et qui, généralement, quand on va être dedans, nous, on va être très rapidement angoissés. Ces populations-là, elles vivent, je ne sais pas si elles sont en harmonie, parce que ça c'est aussi, ce sont des concepts occidentaux, mais ils ont compris tous les équilibres, ils savent qu'ils s'insèrent là-dedans et ils savent ce qu'ils veulent en tirer. Et ces connaissances-là, ces traditions-là, sont d'une infinie richesse, sont des connaissances qui sont totalement perdues et on ne saurait pas aujourd'hui, on ne saurait pas avec une pointe ou une lame de silex aller dans des grandes forêts vierges, sauvages et aller rapporter les espèces qu'on aurait définies. Ils savent ce qu'ils vont chercher, ils savent pourquoi ils vont chercher, ils savent ce qu'ils vont en faire. Ce sont des populations qui sont complètement partie prenante de leur environnement. Ces groupes néandertaliens du Grand Abri Opus ont trouvé aussi un habitat temporaire à 70 km plus loin, dans une autre grotte, la grotte Mandrin. Ludovic Slimak et son équipe ont découvert des silex identiques dans les deux grottes datant exactement de la même période. Grâce à cet indice, nous avons pu mieux comprendre le territoire de ces nomades sylvestres. Ici, nous avons une fenêtre temporelle précise concernant l'interaction néandertalienne en plein cœur de la nature. Et le système de ravins et de rivières semble avoir été le lien entre leurs sites. C'était des groupes de nomades qui connaissaient la topographie. De par le fait qu'ils avaient besoin de matières premières, notamment pour faire des outils, de silex par exemple, ils connaissaient extrêmement bien les différentes sources de silex qui étaient apportées dans l'environnement, et ce malgré le couvercle forestier. C'était des très bons naturalistes, certainement. Et on sait aussi que c'était des nomades, mais pas des nomades. Enfin, généralement,
ce qu'on retrouve par exemple dans cette région, encore une fois, de la vallée du Rhône, c'est des groupes de Néandertaliens qui ne vont pas faire de très longues distances, en fait, de façon annuelle. On sait par exemple que les plus grandes distances qu'on voit au niveau des matières premières qu'ils ont récupérées dans certains sites, c'est autour d'une centaine de kilomètres. Mais la plupart de leurs collectes se font autour d'une vingtaine, trentaine de kilomètres autour des sites. Donc c'est des très bons collecteurs, des très bons connaisseurs de la nature. Et des voyageurs, quoi, enfin des nomades. Et puis on sait aussi que les Néandertaliens étaient de grands chasseurs, de grands prédateurs, qui avaient les moyens en fait techniques de se défendre. Alors on retrouve des restes de Néandertaliens attaqués, rognés, mâchonnés par des carnivores dans certaines grottes. Mais de façon presque encore plus importante dans les repères d'hyènes. Et tout simplement aussi parce que l'hyène, c'est un carnivore qui va accumuler dans les grottes des ossements. Et contrairement à d'autres carnivores, par exemple les grands félins, qui eux, s'ils abattent leur proie, vont les dévorer sur place et vont pas forcément avoir de repères avec un transport des morceaux dans leur abri. Nichée dans les falaises de la rive droite du Rhône, encore une grotte néandertalienne datant de cette même période forestière. Voici la grotte Moula Guirsi, qui recèle un secret macabre. Parmi la succession de couches qui constituent le remplissage de cette cavité, une retient notre attention particulièrement, c'est la couche 15. Alors pourquoi cette couche 15 est-elle si passionnante, si intéressante ? Eh bien tout simplement parce que nous y avons découvert les restes de 6 Néandertaliens qui, tous les 6, ont été cannibalisés. L'importance anthropologique de cette découverte est telle que cette grotte est devenue le centre de recherche d'une équipe internationale. Le pionnier en analyse paléogénétique humaine, Svante Pabo, s'est déplacé lui-même sur place pour extraire l'ADN fossile d'ossements fracassés des victimes néandertaliennes. Le but de sa recherche est ici de déterminer si cette multitude d'ossements appartenait à des individus d'une seule et même famille. Cet acte cannibale était-il un festin ordinaire pour satisfaire leurs besoins nutritionnels ? Ou était-ce un acte spirituel, supprimer les âmes de leurs victimes? Et si c'était le cas, serait-ce la preuve d'une pensée abstraite néandertalienne? Attention, là, nous sommes en territoire néandertalien. Malgré la présence de panthères, lions des cavernes, hyènes, ours et loups, le fait de croiser un autre groupe néandertalien représentait-il un danger autrement plus important ? Être immergé dans ce monde indompté est synonyme du sauvage. Peuple sauvage. Pour les Néandertaliens, non, moi je pense que ce qualificatif ne correspond pas du tout. Les Néandertaliens, des sauvages, vraiment pas. Ils pratiquaient la sépulture, c'est-à-dire qu'ils supposaient l'existence d'un monde suprasensible. Ça, c'est pas un comportement de sauvage. Alors, sauvage par le mode de vie, mais est-ce que une activité de chasseur correspond à une activité de sauvage? Moi, je pense à l'inverse. C'est la plus belle des choses qui soient. C'est-à-dire que l'homme va tirer sa subsistance d'animaux avec lesquels il est en contact physiquement, puisqu'il va les manger, mais également métaphysiquement. C'est-à-dire que les animaux sont nombreux. Il faut s'imaginer un monde avec très peu d'hommes.
Peut-être qu'une tribu néandertalienne devait rencontrer une autre tribu, peut-être qu'une fois par an, peut-être deux fois par an, peut-être une fois tous les cinq ans. Quand il fallait peut-être se marier. Donc ils étaient, leur univers mental devait être constitué et peuplé uniquement d'animaux. Les animaux sont plus grands, plus forts, plus puissants, ils courent plus vite. Donc ils ont dû, comment dire, tisser des relations physiques et métaphysiques avec les animaux qui étaient autour d'eux. Vous savez, pour la plupart des chasseurs, le fait de tuer un animal, c'est pas le vaincre. C'est vraiment pas ça du tout, la mentalité des chasseurs, c'est vraiment pas ça. C'est de considérer que si l'animal est mort, c'est que l'animal a bien voulu être tué pour être mangé par les hommes. C'est ça qui est la pensée première, pour pas dire primitive. C'est ça, en fait. Hein. On pense que l'animal va accepter d'être tué par l'homme. Alors, le mode de vie est sauvage, oui, par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à nous? Ils étaient sauvages, ouais, si on veut. Mais pour moi, les sauvages, c'est l'Homo sapiens. Hein. Dégrader le paysage comme nous le faisons, polluer l'eau, polluer l'air. De savoir, par exemple, que dans le Rhône, c'est interdit de pêcher. On ne peut même plus pêcher. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de mammifères, il n'y a quasiment plus rien qui a été sauvage. Je disais tout à l'heure que les Néandertaliens ont vécu 200 000 ans en Europe. Ils ont laissé l'Europe telle qu'ils l'ont trouvée. Regardons ce qu'on a fait en 10 000 ans. Dans quel état on a mis l'Europe? Dans quel état l'Homo sapiens a mis l'Amérique en l'espace de 500 ans? C'est une honte. Pour moi, les sauvages sont nous, les sauvages, et pas eux. Il y a une petite grotte en Ardèche qui s'appelle les Barras 2, où les premières occupations néandertaliennes sont très peu de temps après cette grande période d'interglaciaire forestière et tempérée. C'est le début du dernier glaciaire, mais on est encore dans des périodes d'oscillation climatique qui font que ce n'est pas encore des grandes glaciations. Et à cette période-là, en fait, des néandertaliens sont venus visiter cette toute petite grotte d'Ardèche, qui est comme une petite fissure, assez faible en superficie, qui n'a pas pu accueillir de grands gros regroupements. Et ce qu'on a retrouvé dans cette grotte, c'est beaucoup de bouquetins. Et dont certains ont été consommés et très certainement chassés par les Néandertaliens. Beaucoup d'autres sont venus mourir dans cette petite grotte ou rapportés par des carnivores. Et dans cette petite grotte, c'est vrai qu'on pense qu'elle a été visitée, mais de façon très courte à chaque fois. Par exemple, on a très rares indices de feu. Donc ça montre quand même qu'il n'y a pas une implantation durable, très certainement, dans ce site. Encore une fois, il est petit, il est au perché, dans une falaise, difficile d'accès. Et dans ce petit site de Barras, on a le loup, on a le renard, et on a des traces de carnivores sur les bouquetins. Donc, cette petite grotte a été occupée à la fois par les bouquetins, par les néandertaliens, par les loups, par les renards. Donc, il y a eu toute une alternance d'occupation, ce qui montre aussi que ce n'était pas des habitats de longue durée. Parce que très, très vite après le départ des Néandertaliens, très certainement on a ces petits charognards, qui sont les renards, qui sont très certainement venus se servir dans les déchets néandertaliens. Dans la vallée de la Saône, affluent du Rhône, des archéologues ont découvert un campement néandertalien en plein air qui recèle des carcasses fragmentées de rennes. Des groupes ont campé, là, perchés sur des falaises dominant la petite vallée, pouvant observer les mouvements des faunes. Il y a environ 70 000 ans, le climat bascule vers un âge de glace. Étonnamment, les Néandertaliens se sont adaptés au fur et à mesure. Ils ont su changer leur mode de survie dans cet environnement aux températures extrêmes. Un monde glacial, où proliféraient par exemple renards d'Arctique, rennes, mammouths, bisons et rhinocéros laineux. Bienvenue dans la steppe de l'âge de glace du Rhône. Mmh.
20 000 ans plus tard. Et nous sommes toujours dans cet âge de glace. Nous sommes encore et toujours dans ce même monde néandertalien. Il est rare et difficile de trouver des sites archéologiques en plein air de ces nomades. Parfois, leur emplacement atteste qu'ils ont été visités répétitivement sur une longue durée. C'est sans doute lié à leur position stratégique dans le paysage. C'était certainement le cas, ici, au col du Giboué, dans les montagnes du Vercors. On voit le col de Giboué ici, donc qui se situe pile en face de nous, au niveau un peu au-dessus du chalet qu'on voit en contrebas. Là. Donc on surplombe le col qui est à 1620 mètres d'altitude. Et c'est ici que se sont installés donc, voilà, des chasseurs néandertaliens il y a environ 50 000 ans. Donc on est dans un contexte particulier, là on est vraiment à la pointe sud du massif du Vercors que l'on voit derrière. Et puis on est en transition avec les massifs du Diwa, des Baronnies, au sud. Et donc on est sur une voie de passage qui permet depuis le Diwa d'accéder au massif du Vercors, là, que l'on voit au nord. L'intérêt majeur de ce site, c'est de profiter d'une source de matière première qui va permettre une fabrication massive d'outillage pour des besoins très courts dans le temps, liés à une activité en haute montagne. Voilà, je monte en haute montagne, je pars de la vallée, je ne trimballe pas avec moi des tonnes de galets de silex pour faire mes outillages. Je sais que je vais en trouver sur place, donc j'anticipe ce territoire, j'anticipe les déplacements, les mouvements. Et ensuite, une fois que je suis sur place, je produis beaucoup d'outillages et je vais les utiliser pour faire mon stock d'un abattage en masse de chevaux, de cerfs, je ne sais quoi. Et je vais utiliser cet outillage pendant ce séjour-là. Ensuite, j'abandonne mon outillage, je le laisse sur place, et je m'en vais avec ce que je suis venu chercher. Et je reviens la saison d'après, ou quelques années après. Il y a une véritable connaissance des territoires, de leur potentiel, à la fois cinégétique ou en ressources minérales ou diverses ressources. Un véritable ancrage territorial en fait, avec une transmission de génération en génération de ces connaissances, de ces territoires, et qui explique que aux mêmes endroits reviennent pendant des générations des groupes humains. Et ça, c'est pas spécifique à ce qu'on a aussi dans le Vercors. C'est aussi souvent le cas dans d'autres régions où on a des zones particulièrement attractives au sein d'un territoire, et ces zones vont focaliser les installations humaines. Là, on a une vision intéressante. Donc, on s'est retourné par rapport au col de Giboué qui est derrière nous. Donc, on se tourne vers le nord-est. On a vu que le massif du Vercors a été pas mal occupé pendant la période du Paléolithique à l'époque de Néandertal. On sait que par contre, toute cette zone-là, on avait soit des avancées glaciaires, donc le gros glacier alpin qui est arrivé vers Grenoble et qui débordait ici dans le Trièves et qui rabotait la bordure orientale du massif du Vercors sur des altitudes assez impressionnantes, presque 1000 mètres d'épaisseur pour ce glacier alpin. Une glacier, ouais, 1000 mètres. Vraiment un glacier très impressionnant. Donc il y a plusieurs reprises à avancer, et puis quand il reculait, derrière lui, c'était soit des paysages de lacs, de marécages assez insalubres, vraiment pas propices à des occupations humaines. Vers 50 000 ans, les nomades paléolithiques sont arrivés jusqu'à ce col. Il s'agit du plus haut site néandertalien à ciel ouvert jamais découvert. Les chercheurs ont étudié avec attention des milliers de silex retrouvés sur des multiples sols archéologiques successifs. Des preuves qui attestent d'une présence importante de ces néandertaliens à travers le temps.
ce col de haute altitude, se trouvait-il être un lieu de convergence à des moments bien déterminés de l'année pour plusieurs clans ? Ici, il y a 50 375 ans, allais-je rencontrer ces nomades ? Je me demande quand vont-ils arriver ? Ceux qui viendront seront-ils cannibales ? Que verrai-je dans leurs regards ? Pourrons-nous, ne serait-ce que gestuellement, comprendre ces autres humains, ces Néandertaliens ? Étaient-ils en capacité de gérer leur temps ? D'être là, comme convenu, à un moment prévu ? Ou bien leur organisation dépendait-elle de leur envie, du rythme des saisons ou selon le vent ? Ou plutôt préférons-nous nous éviter ? Que chacun suive son propre sentier et sa propre réalité du monde. Il y a environ 53 000 ans, un peuple pionnier arrive et bouleverse l'équilibre de ces anciens Néandertaliens. Un des sols de la grotte Mandrin révèle le passage de ces pionniers et de leurs multiples séjours. Armés de leurs lames et de leurs pointes en silex, ils chassaient des chevaux et des bisons dans les plaines, laissant leurs débris de chasse ici, sur leur sol. Une série d'indices archéologiques et biologiques attestent ici la présence des tout premiers sapiens connus du Rhône et même de l'Europe entière. C'est là qu'ils se sont abrités à fabriquer leurs pointes en silex, les outils de chasse bien plus sophistiqués que l'outillage néandertalien. Les chercheurs ont ainsi découvert que ce nouveau groupe de nomades est resté dans cette région pendant près de 50 ans. Ces Homo sapiens, on sait qu'ils sont restés une cinquantaine d'années. Et donc, ce n'est pas simplement un groupe de chasseurs-guerriers qui prendrait un territoire néandertalien, mais c'est vraiment peut-être une petite partie de la population. Je pense que c'est plus qu'une famille. Hein. On ne peut pas s'installer 50 ans, si on est une dizaine comme ça, sur un territoire maîtrisé depuis très longtemps par des groupes néandertaliens. Donc, il faut quand même une certaine masse pour pouvoir rester une cinquantaine d'années. Et puis, avoir des chasseurs, des femmes, des enfants, peut-être des personnes plus âgées, des sages, des grands tailleurs. C'est difficile à dire. En même temps, 50 ans, c'est beaucoup et en même temps, c'est peu. Donc, si j'avais à couper une côte mal taillée, mais c'est indémontrable, je dirais que c'est peut-être une centaine d'individus qui sont arrivés et qui se sont installés, c'est-à-dire peut-être 15 familles, quelque chose comme ça, qui se sont installés ici, dans cette moyenne vallée du Rhône, et qui ont tenu le territoire un temps. Donc ils se sont rencontrés, oui, ils ont échangé des concepts pour une partie du groupe, oui. Ils se connaissent l'un et l'autre, oui. Quelles ont été les relations spécifiques entre sapiens et néandertal à ce moment-là, dans cet espace géographique singulier ? Pour l'instant, on ne peut pas y répondre. On n'a bien sûr aucune trace de conflit, mais je dis bien sûr, parce qu'en fait, la fenêtre archéologique ouverte est beaucoup trop petite et l'époque est beaucoup trop lointaine pour qu'on puisse espérer avoir les éléments de conservation sur une toute petite fenêtre comme ça. La cavité n'est pas une zone de guerre. Les populations pouvaient se voir arriver de très loin. Si elles ont eu des conflits, c'est quelque part dans la vallée que des conflits ont pu avoir lieu, certainement pas ici. Mais pour l'instant, la nature, cette nature-là des relations entre ces deux humanités nous est encore archéologiquement invisible. Tout comme la grotte des cannibales à 45 km au nord, la grotte Mandrin devient l'intérêt de recherche internationale. Les couches dans cette petite cavité exceptionnelle contiennent pas moins de 80 000 ans
de passage nomadique. Et cette petite grotte a abrité à la fois des séjours néandertaliens et des sapiens, peut-être sur une même année. Temps profond, chaque groupe ici a exploité le feu. Des nombreuses pierres et concrétions de cette grotte recèlent, comme au site d'Orniac, des codes-barres de suie. Et ces marqueurs de suie fossiles peuvent être ainsi précisément étudiés et datés, déchiffrés et lus comme les pages d'un livre. Alors, ce qui est intéressant avec cette étude des concrétions calcaires chargées de suie, donc qui sont des archives qui enregistrent des traces anthropiques, c'est qu'on arrive là à avoir une très haute résolution chronologique, puisqu'on a une résolution qui est annuelle et qui est même subannuelle, puisqu'on arrive à diviser l'année en deux, entre deux saisons, la saison sèche et la saison humide. Parce qu'on a accès à cette très haute résolution temporelle, qui est micro-chronologique, eh bien, on va pouvoir vraiment accéder à ce temps fin et à ce temps à l'échelle en fait, humaine, avec une perception humaine, et on va pouvoir s'intéresser vraiment à l'organisation sociale des groupes et comment est-ce que leur mouvement et leur mobilité va aussi rythmer la vie sociale et fait aussi partie de leur culture. On n'a pas directement accès à la mobilité dans le sens où on ne sait pas vraiment où ils vont ou d'où ils viennent quand ils sont à Mandrin. Par contre, on a accès à une nouvelle dimension temporelle de la mobilité puisqu'on sait la saison de chacune des occupations, le rythme des occupations et quand est-ce qu'ils viennent sur le site. Donc on a une partie de l'information, une partie de cette information sur le cycle annuel de nomadisme. Chaque groupe culturel a une manière un petit peu différente d'occuper la grotte. Même si on prend tous les groupes néandertaliens qui ont occupé la grotte Mandrin au cours du temps, eh bien, il y a des rythmicités très différentes. Parfois, le site est vraiment intégré au cycle annuel de nomadisme et il est utilisé très régulièrement. Parfois, il est utilisé très irrégulièrement. Par contre, avec ce premier groupe d'Homo sapiens, c'est que c'est le seul groupe qui occupe l'abri majoritairement pendant la saison humide. Les autres groupes qui ont occupé le site, avant et après, vont majoritairement occuper l'abri à la saison sèche. La grotte Mandrin surplombe un rétrécissement de la vallée. Des chasseurs venaient ici, et en observant les paysages au loin depuis cet endroit, ils pouvaient anticiper et planifier les chasses dès l'arrivée des hordes, venant du nord ou venant du sud, selon le moment de l'année. Il y a environ 40 000 ans, à travers toute l'Europe, Néandertal le nomade s'éteint. Sur ces terres du Rhône, de nouveaux chasseurs-cueilleurs vont s'aventurer. De nouvelles migrations de sapiens vont arriver. Et cette ethnie, cette culture, nous l'appellerons les Aurignaciens. Au fil du temps, ils ont arpenté ravins et canyons de ces paysages paléolithiques, y compris ici les gorges de l'Ardèche. Ils ont découvert le Grand Arc et ils ont trouvé aussi la grotte Chauvet. Mais qui sont ces humains modernes ? Je pense que l'humanisation et la domestication du monde, en domestiquant d'abord le temps, va être la nouveauté de cette vague aurignacienne et cette capacité de pouvoir dire
demain nous irons là-bas, et hier nous étions près du grand fleuve, cette nuance de vocabulaire, de syntaxe, d'expression langagière du temps, l'effet échappé au temps fixe, non temporel du mythe, est rentré dans une temporalité qui est celle des humains qui ont une histoire, un avenir, et qui vivent sur un passé. Et c'est peut-être ça qui est la différence entre les Néandertaliens, leur capacité intellectuelle, cognitive, spirituelle, langagière. Encore que spirituelle, je les verrai sur les mêmes spiritualités, mais ils ont quelque chose de plus, et ils viennent dans des espaces comme ça, avec une mémoire qui est collective, individuelle et précise, mais une mémoire qui va se situer dans une temporalité. Et donc là, on est en présence d'une des puissances de l'inventivité et de l'innovation de ces homo sapiens qui inventent des techniques qui ont une portée matérielle, mais imaginaire et symbolique, qui s'inscrit dans des matières dures. La pensée s'inscrit dans des roches dures, elle se formalise, elle se concrétise dans la matière, sur la paroi de la grotte ou dans des objets. Les humains modernes, c'est ça. Et cette modernité-là, c'est celle qui arrive avec la vague aurignacienne et dont nous pouvons lire les traces aujourd'hui. On voit bien que la grotte, au final, est un organisme naturel qui a été tellement investi que la grotte ensemble ornée est un espace signifiant. Et que probablement, le fait d'aller et de se déplacer, de rentrer dans la grotte, avait une signification rituelle, une signification dans l'éducation. On n'est plus dans le monde de l'objectivité. Les animaux, symboliquement, deviennent des idées et ne sont plus les monstres qui sont à l'extérieur ou la nourriture qu'ils représentent. Les peuples aurignaciens, mais aussi plus tard d'autres sapiens du Paléolithique, ont choisi ce havre naturel entre rivières et falaises. Ils sont passés ici même. Ont marché à travers ces paysages. Grâce à leur capacité cognitive d'idées abstraites, des mythes, des histoires, des rituels émergeaient. Avons-nous ici, dès 36 000 ans, en pleine période froide, un peuple animiste, c'est-à-dire un groupe qui croit que l'environnement est gouverné par une entité spirituelle? Je me demande, les premiers sapiens ici, entretenaient-ils une mémoire mystique et légendaire concernant des lointains néandertaliens désormais disparus? Les aurignaciens ont-ils choisi d'autres terres sacrées dans d'autres vallées et canyons?
trouverons-nous d'autres lieux riches en mémoire paléolithique, au cœur même de notre monde contemporain, fourmillant et agité. Les vastes territoires du Rhône sont restés indomptés à travers des centaines de milliers d'années. Pendant cette longue période du Paléolithique, des petits groupes de chasseurs-cueilleurs nomades allaient et venaient. Que pourrons-nous apprendre de toutes ces humanités différentes? Eux que nous avons vus autrefois comme de mauvais sauvages, ces anciens au cœur de la nature. Que pourrons-nous apprendre de toutes ces humanités dotées d'une grande intelligence écologique?